Bonjour mon garçon. Bonsoir papa. Comment tu vas? Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu es venu au couvent du grand maître Marabou Kamara. D'accord papa. Toi-même, tu es venu pour visiter la réalité des choses. Oui papa. Et je vais juste te faire une démonstration rapide parce que je suis très fatigué à cause des travaux. D'accord papa. Aujourd'hui, nous sommes le samedi et je dois me reposer. Donc, tu es venu pour chercher quoi, pour venir trouver réellement quoi? D'accord, papa. Moi, on m'appelle Idrissou Traoré. Et tu es venu d'où, pardon? Je suis venu de Burkina. Burkina. Ah, les Burkinabés. Hier même, il y avait deux qui sont partis de chez moi. Maintenant, toi-même, tu es venu pour voir la réalité des choses. C'est pour cela que j'ai dit que toi-même, tu prends ton propre téléphone et filmer. Arrivé chez toi, tu vas m'envoyer la vidéo pour montrer à tes gens que c'est la réalité. Que ce D'accord, qui papa. existe vraiment, ça existe. D'accord, papa. Pour ne pas trop tarder, tu as vu ça? Tu as vu ça? Oui, papa. C'est petit, non? Oui. C'est petit. Oui, papa. Très petit, non? Oui, papa. Ce que tu vois aujourd'hui ici, et tu crois que c'est petit, c'est ta richesse, ton honneur, ta volonté, tout ce que tu veux, qui vit ici aujourd'hui. C'est pour cela, je dis. Quand quelqu'un veut voir la profondeur, la réalité des choses, qu'il se présente lui-même. Ou, s'il n'a pas le temps de venir, il nous appelle et on fait le travail, on l'envoie, il prend sa chose. Donc, c'est pour cela que je donne la visibilité de ce que tu vois là aujourd'hui. Et un bon travail doit se faire devant toi-même. Même si tu n'es pas là, ton âme, on l'appelle pour faire le travail avec. C'est pour cela aujourd'hui, le grand maître Kamara a dit, malgré qu'il est occupé, qu'il va se reposer et il va te recevoir. Ce que tu vois aujourd'hui, on appelle ça portefeuille magique. Comme ce que tu as dit, jusqu'à tu es arrivé, d'autres appellent ça bidou magique. D'autres appellent ça porte-monnaie magique. Ça a plusieurs noms. Mais c'est la même chose. Tu as dit que tu t'appelles Traoré. Parce qu'aujourd'hui, on fait le travail là pour travailler et ça va faire un essai du premier parti de la production devant lui et il va partir avec cet argent. Les génies ont dit oui. Vous D'accord, avez papa. vu, toi-même tu as vu, Oui, papa. ça a fait deux blancs, Oui. deux noirs. D'accord, papa. Si ça avait fait comme ça a dit il y a un problème en toi. Si c'est comme ça, il dit, il n'y a pas la mort, il n'y a pas maladie. D'accord, Mais papa. voilà qu'il y a deux blancs et deux noirs. Ton bonheur est acclamé. Merci, papa. Donc, si j'ai mis ce talisman ici aujourd'hui pour toi, tu m'avais dit que tu as un problème au travail avec ton patron. C'est pour cela que ce talisman, c'est pour résoudre les problèmes. Tous les problèmes, n'importe quoi tu dis à ce talisman, si tu as un problème avec quelqu'un, tu vas éviter le problème. Si tu as un accident, ce talisman va te serrer jusqu'à ce que tu vas savoir, mais ça va être chaud. Et tu vas savoir que tu ne dois pas prendre la route là, ou bien toi avec ton patron, tu dois lui laisser, ou bien il doit te fuir et te laisser ce que tu veux. C'est pour cela que j'ai mis ça en même temps ici pour présenter ça aussi. Bon, tu as dit que tu veux voir que le portefeuille va produire devant toi. Oui, papa. Tu es sûr? Oui. Les gens m'ont blagué trop. Est-ce que tu es sûr que tu veux que ça produise devant toi? Je veux voir ça, papa. Ok. On va rentrer dans les détails. Mais le problème est que quand l'argent va sortir, il ne faut pas avoir peur. Parce que moi, je ne fais pas de vidéo pour envoyer quelqu'un. Si quelqu'un ne vient pas chez moi, je ne fais pas de vidéo. C'est pour cela que j'ai dit de prendre toi-même ton téléphone et faire la vidéo avec. D'accord, papa. Est-ce que tu as compris? Oui, papa. Ça, on appelle ça courir. Enfant, on appelle ça précon. C'est quelque chose qu'on avait utilisé au siècle passé. Et nos ancêtres, c'était leur argent, ça. C'est aujourd'hui, c'est devenu autre chose et on l'utilise pour beaucoup de rituels. Vous voyez, il y a encore ça. Dedans, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien, papa. Il n'y a rien, non. Oui. Donc, vous avez vu, il n'y a rien. Oui. Ça, on va commencer la démonstration.
J'ai oublié ta bague de protection. J'avais oublié, normalement tu as droit à une bague. Et la bague là, comme je t'avais dit, la bague là doit accompagner le portefeuille. Et quand ça accompagne le portefeuille, c'est juste pour que s'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, la bague va te signaler ça et ça va te serrer le doigt comme moi-même j'ai ça, parce que moi-même j'ai ça. D'accord. Ça va te serrer jusqu'à... Tu vas croire que ça va couper ton doigt. C'est pour ta protection. C'est pour cela, en même temps que la bague là, j'ai mis ça là pour toi. Ce que tu as commandé chez moi est beaucoup. Donc en voulant partir, je vais te donner quelque chose. Ceci. C'est ceci que je vais te donner le matin. Quand tu coupes un peu dans la bouche, tu demandes tes vœux, ce que tu veux. Ça, c'est un cadeau que je t'offre. Merci, papa. Donc, on va commencer. Il n'y a rien dans le portefeuille. Il n'y a rien, comme vous avez dit. Je laisse ça chez les génies. Je laisse ça chez les génies d'abord. Pour demander la divinité aux génies. Comme on a dit, on a déjà demandé et s'ils ont accepté, c'est le grand génie lui-même. Tout ce que nous voulons ici, tout ce que Traoré est venu faire aujourd'hui au Bénin ici, il faut lui donner la volonté, l'amour, la joie de tout ce qu'il veut dans sa famille générale. Tu as encore vu. Tu as trop la chance, mon garçon. Il y a encore deux blancs et deux noirs. Merci, C'est pour papa. cela que, pour faire l'essai, il faut toujours prévoir. Comme vous avez vu l'autre fois, il n'y a rien dedans. Maintenant, je vais appeler les génies. Tu as vu encore? Oui, papa. L'honneur de la vie que nous voulons, on va implorer les divinités pour générer le bonheur et la joie que nous voulons, afin que les bons génies nous ajoutent le bonheur aussi. Tu as encore vu, Oui, papa. vraiment, tu es trop chanceux. Maintenant, je vais demander au génie. Quand on prend 1 minute ou 2 minutes de silence, c'est pour parler au génie spirituellement. Et non, on n'est pas mis de bon fier, bien la goutte, on a été fait faire dans la dernière année, on n'est pas mis de bien, on va mis d'aller, on va d'aller dans le monde. Quand on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, qui fait la même temps. Mais on a dit que c'est un budget dans le temps. On fait faire l'anti, on a l'anti, j'ai l'anti. On n'est pas mis de bien, calmement. Tu as vu la langue que j'ai parlé, est-ce que toi tu peux comprendre ça? Non, papa. Tu peux comprendre ça? Non, papa. Là-haut, est-ce qu'on peut ouvrir ça maintenant? Tu nous donnes la permission d'ouvrir. Tu nous as fait notre travail. Tu as encore vu? Oui. Tu as quelle chance comme ça aujourd'hui? Oh, papa. Tu as un enfant de samedi? Ça m'étonne. Donc, je demande pour tout le monde la santé d'abord. Tu as encore vu? Quatre fermés. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas du mal, tu es toujours heureux. Donc, on va prendre sur le génie, comme vous l'avez dit, en même temps. Donc, on va essayer de voir si réellement le génie a dit la vérité. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, papa. Ça peut aller? Oui, papa. Moi-même, il faut toujours être amoureux de soi-même pour faire un bon travail à quelqu'un. C'est quoi ça? Ah, papa. C'est quoi ça? Tu as vu les clés de C'est banque. quoi ça? Oui, Est-ce que papa. tu veux que je fasse sortir ça? Oui, papa. Tu veux ça? Oui, je veux voir. Donc je vais déplacer. C'est quoi ça? Papa. C'est quoi ça? Tu Oui. vois ça? Est-ce que Papa, toi-même tu as vu? je peux toucher? Je vais te donner, il ne faut pas t'inquiéter, sois patient. Tu as vu ça? Oui, papa. Est-ce que toi-même tu as vu? Je Titos. Et quand le portefeuille est en train de produire comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est en train de faire beaucoup de choses, la valise magique, la caisse magique, Papa, le porte-monnaie, le portefeuille, le bédou. je peux amener ça à Burkina, l'argent là. Oui, je vais te donner. C'est ton argent, ça là, ce n'est pas pour moi.
C'est pour cela que je t'ai dit que c'est juste le cerf. Tu ne peux pas tout prendre. Je vais te donner ce que tu vas utiliser sur la route jusqu'à arriver chez toi. Tu vois? Est-ce que Papa. toi-même, tu as vu réellement ce qui se passe? Oui. Tu es heureux? Oui. Tu as eu confiance en moi maintenant? Oui. L'argent que tu as dépensé, tu as retrouvé ça? Oui. Est-ce que tu as retrouvé ça? Oui. C'est pour cela que quand on fait un travail et on vient chez moi, il faut toujours être heureux. Je vais faire cadeau aussi à mon génie. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Oui. Donc, c'est ça. Chez nous, il faut toujours préserver pour avoir de l'argent. C'est ça. Donc, si tout le monde qui veut me contacter, qu'il m'appelle sur mon numéro, le 229 97 84 71 65. Ça, c'est le numéro du grand maître Marabout Kamanou du Bénin. Et je suis béninois, je suis nigérien, je suis ghanéen, je suis indien, je suis égyptien. Pourquoi? Tous les pouvoirs, on les cherche à travers le monde. Et aujourd'hui, on a abouti à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, quand tu es venu chez moi, j'espère que tu as vu ce que tu veux, Oui, papa. l'amour que tu veux, Oui, le papa. bonheur que tu Oui, veux. papa. J'espère que tu as reçu. Oui. Et il faut savoir prendre soin de ton foyer. Parce que D'accord, quand tu papa. trouves l'argent, ce n'est pas pour s'amuser avec. D'accord, papa. C'est pour aider, aimer, avoir au travail, construire ton entreprise, avoir tout ce que tu désires. D'accord, papa. Même ceux qui sont venus hier sont partis, ils ont dit qu'ils vont m'envoyer des choses. Je ne veux l'argent de personne. Quand tu m'appelles, c'est pour faire ton travail. Si tu es reconnaissant, c'est bon. Si tu n'es pas reconnaissant aussi, c'est bon. Donc, est-ce que toi-même, tu as eu la chance maintenant de voir avec tes propres yeux? Oui, papa. Donc, en voulant partir, je vais te remettre le portefeuille, les deux bougies, ton talisman, ta bague et ce que je t'ai offert pour avoir le don chaque matin quand tu te réveilles, tu vas mettre un peu sur ta bouche et mettre. Donc, merci et à tout à l'heure. Merci, papa.